Et on a assisté, je tiens à le dire, j'étais en vacances, j'ai regardé ça distraitement, mais enfin, il y avait quand même un concours de déni dans tous les médias pour dire oui, mais ce n'est rien, il n'y a personne, etc. Moi, j'ai assisté à une scène, je ne citerai pas la chaîne, c'est une chaîne concurrente, qui était en liaison avec les personnes qui étaient sûres dans la manifestation et qui disaient voilà, on voit, il y a quelques milliers de personnes à peine. Et le journaliste de la chaîne était sur le terrain. Et il y avait à côté quelqu'un qui disait « Oh bah, il y a au moins 25 ou 30 000 personnes sur la place. » Et on entendait une rumeur, c'était noir de monde. Donc il y a vraiment une volonté de déni que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Mais en réalité, ça ne dégonfle pas. Ça a démarré pendant l'été, alors que les gens avaient autre chose à faire. C'est monté en puissance, ça ne dégonfle pas. Et surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que ça converge avec des gens très différents. Il y a effectivement... Y compris, je disais, avec celles et ceux qui sont vaccinés. Mais tout à fait. Voilà, donc ce n'est pas des manifestations d'anti-vaccins. Exactement. Alors, pour conclure...